militaire. Et salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man sur PS4 bien sûr. Et on affronte Rhino. Oh putain, je me suis défoncé. La liberté, la vraie. Comment je peux l'avoir? A mon avis, pas avec des coups de pied. Oh putain! Il faut vraiment que je le fasse passer sous ce truc. Alors on va tenter ça. Oh, je l'aimais bien cette tenue. Elle te va bien. Voilà, c'est ça. Pas de tenue. Moins de problème pour toi. Ok, c'est bien ça. Alors. Il est en train de fumer ce con. Parfait. Ça va me manquer. Je vais plus pouvoir me moquer de toi. Parfait. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux faire tomber d'autre? Ah, je peux faire tomber ce truc là. Parfait. Ok Rhino, finissons sans. Oh putain. Scorpio. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons. Oh, c'est des doubles boss à chaque fois, c'est pas mal hein. Scorpio, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? J'aurais supplié d'arrêter? Oui, Karga. C'est exactement ce que j'aurais fait. Oh, on dirait. On va essayer de continuer. Qu'on faisait avec le Rhino. Arrête de te mettre devant moi! Alexei! Écarte-toi! Viens là, le Rhino! Allez, viens là! Hitch, avec Octavius, vous vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des 6? Ok, on esquive bien. Qu'est-ce que tu dis des 6? Tu es Spider-Man! Ok, on fait tomber. Ok, ça a marché. Ma prise spéciale, elle a marché. Ok, on esquive encore une fois. Ok. Ça va, je les... Oh putain, je les esquive bien. Allez, viens. Je vais essayer de le rapprocher d'ici. Allez, viens là. Messieurs, je vous en prie, il y en aura assez pour tout le monde. Parce qu'on est pas mal. Ah, ici. Arrête de te mettre devant moi. Allez, viens là. Bon, je l'ai pas vu. Et toi, est-ce que ta vie t'a promis, Scorpion? De l'argent, car ça n'a pas de principe. Hop, maintenant, parfait. Tu restes Spider-Man pour le plaisir. Putain, ça a pas marché. L'argent n'est qu'un plus. Oh là là, faut que je les esquive bien. Est-ce que je peux en faire tomber un autre là? Qu'est-ce que je peux faire tomber? Là-bas je peux faire tomber. Allez, viens là tonton. Si tu nous fais échouer, Gargan, tu connaîtras la douleur qu'afflige cette tenue. Laissez, Péril Rouge. Je vais t'en sortir, moi. Ok, ici c'est bon. Oh putain, mais il y a l'autre qui arrive aussi. Hein. Je commence un peu à me sentir de trop. Vous voulez que je vous laisse régler ça tout seul? Ok. Faut que je fasse gaffe à Scorpion, hein, c'est surtout lui. Allez, viens là, le gros. J'arrive ça a pas marché. À croire que je me traîne un poulet comme toi. Approche, je vais arranger ça. Ça marche bien, ça marche bien.
ça marche quand même bien. Ok, ça marchait là aussi. Et franchement, les boss fights sont vraiment intéressants. Je le répète encore, mais ils sont vraiment intéressants, les boss fights. Est-ce que je peux utiliser ça? Non, on va utiliser la grue. Parfait, putain, mais il te laisse pas une seconde. Ça y est. Ah, il reste plus que Scorpion. On a eu Rhino. Alors comment il va falloir que je batte lui? Je sais pas du tout. Tiens, j'ai esquivé là. Alors là, il va falloir trouver le pattern là. Ah, il me touche à chaque fois. Là, ça va être bon peut-être. J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. Faut vraiment que j'utilise peut-être le décor là aussi. Oh putain. Ah si. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors lui, il faut que je le toile. Ah ben, il y avait juste une fois qu'il fallait le faire. Qu'est-ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué? Que j'ai échoué? Eh ouais, espèce de demeuré. Ah, bien joué, Spidey. Vous allez passer un peu de temps ensemble. Vous finirez peut-être par vous entendre. Ah, bien joué. Parfait, le dard et la corne. Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Ok, on a notre mission. On va se déplacer rapidement. Est-ce qu'on peut se déplacer rapidement? Oui, on sera juste à côté en plus. Parfait. Donc là, Spider-Man va s'occuper du souffle du diable. Par contre, il reste encore Martin Lee, comme il a dit, et Octavius en liberté. Et on va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. National et fédéral. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Ça me l'a posté des agents dans tout l'immeuble. Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Ah, on va jouer MJ sûrement. Parce que s'il lui dit « dis-moi si t'as des ennuis », c'est que forcément... Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok. L'appart de Norman se trouve au dernier étage. Alors, on arrive où? Mais l'ascenseur est verrouillé. On est dans la tour de... poste de sécurité pour le rouvrir. De Norman, non? Il pourra pas s'en remettre. Alors, il y a du monde ici, apparemment. On nous demande d'aller voilà le poste à de sécurité. 25 mètres devant. On va prendre quoi? L'ascenseur? C'est pas un ascenseur, ça. Les résidents sont sur les nerfs. C'est une résidence, apparemment. Entrée interdite. Entrée interdite. Comment je peux rentrer? Créer une diversion. Comment je peux créer une diversion? Je peux essayer de lui parler peut-être? J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure.
Une urgence médicale, ça devrait passer. Ah, urgence médicale, ça compte, hein. On va parler à la sécurité. Ah ouais, il va falloir parler à la sécurité. Et moi, je vais en profiter pour m'infiltrer à l'intérieur. Laissez-nous remonter. J'ai une urgence médicale, ça peut pas attendre. Oh la vache, je peux plus respirer. Laissez-moi monter. Fais semblant de tomber dans les pommes. Non, ça marche pas. Alors, il va falloir que j'attire un maximum de personnes pour qu'ils soient... Ah, chaussée. Surchargé peut-être. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter alors. Ah oui, va falloir qu'il vous laisse remonter. On va essayer d'embrigader notre personne. Alors ici. Pourquoi Osborne n'est pas en bas ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. Ok, ils commencent à tous s'agglutiner devant la porte. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui je peux monter le cerveau ? Ah, ça y est, c'est ouvert. Ok, par derrière, tranquillement. Un peu facile, non ? Elle a quoi là ? Oh, elle va avoir un flingue ! Un petit choker. Merci les agents de sable. Elle peut shooter et tout ? Ah, je peux faire les éliminations silencieuses avec, en fait. Ça tire pas. C'est un choker. Impeccable. Mais si tu l'aimes bien, faudra le garder, Mary Jane. Faudra qu'il se retourne. Oh putain. Ah oui, faut que je lance le leurre. Il va se retourner et je vais le choquer tranquillement. Voilà. Impeccable. Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité. C'est où que je dois aller ? À mon avis, c'est dedans là. Eh ben dis donc, c'est une tueuse en série celle-là. Mary Jane Watson. Allez, on va utiliser l'ordinateur pour voir le système de caméra. On voit Norman Osborn se tailler avec Silver. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. L'ascenseur est déverrouillé. Parfait. Alors je sais pas ce qu'elle est venue chercher ici, par contre Mary Jane... D'accord, j'ai déverrouillé l'ascenseur. C'est au dernier étage. C'est bon. Ok, on va monter discret. Norman. Non ! Oh putain, mais non, j'étais trop près, putain. Je me suis dit, l'IA, elle est tellement con à chaque fois, elle est tellement aveugle. C'est bon. Qu'au final, ça aurait peut-être été bon. On va attendre ici. Voilà, Osborne sort, on y va. Allez, allez, monte, monte. Oula, elle est intriguée par quelque chose, Silver. On a failli se faire cramer. Hein. Qui on va jouer maintenant ? Peut-être qu'on reste avec Mary Jane, là. Ok, on arrive dans l'appartement à Norman Osborn, je crois. Ils sont tous partis, c'est parfait. Je vais pouvoir voler. Ce que j'ai à voler. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. Est-ce que je peux regarder ? Cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout... Ok, il se focalise sur le pouvoir de Peter. Sable au rez-de-chaussée. Ici, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Y a pas moyen ? Ah si, y a moyen. Donc là, c'est les plans de l'appartement ? C'est ça. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Il n'y a rien écrit derrière. Il gâché des mètres carrés dans un appart à Manhattan. Parfait. Ensuite. Ici, il y a un casque. C'est le casque de quoi ? Du bouffon c'est vert ? Quoi, cette chose ?
Elle le met carrément. Incroyable. Ah, elle a repéré une entrée secrète, anomalie structurelle. Je me demande ce qu'il y a derrière. Ah, il doit bien avoir quelque chose. Ok, ensuite, c'est quoi ça ? Un plan pour un prototype de masque de combat. Masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. C'est peut-être les prémices du bouffon vert, tout ça, là. Allez, on va aller voir. Le père et le tableau. Norman fait ses adieux à son fils. Donc là, il y a Norman et Harry, je pense. C'est vrai quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Et pourquoi un ton aussi dramatique pour un simple voyage ? Ah, on a une plaque à droite. Parfait. Derrière le portrait de famille. Comment je vais connaître le code là par contre ? Je dois trouver le code de ce clavier. Faut retrouver le code du clavier là. Je peux trouver le code. Où est-ce qu'il cacherait le code ? Peut-être que le masque qui verrait les empreintes, je sais pas. Le prototype de combat de ce plan. Non. Non. Alors, on va voir. Ouh là là, on a dépassé. Eh bien, écoutez, on va essayer de trouver le code, mais dans le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À plus dans le bus et à bientôt dans le...